Bonjour, Miss Stagiaire. Bonjour aux élèves du baccalauréat section comptabilité. On va entamer avec vous au cours de ce vidéo l'un des chapitres du module de la législation du travail. Première vidéo, on va traiter seulement la définition du droit du travail. Bismillah, le droit de travail et l'ensemble des règles, qui régissent les relations entre les employeurs et les salariés. Voilà la première définition qu'il faut assimiler. Le droit de travail est parfois improprement ni improprement nommé droit social. Voilà le premier point, social. Mais cette seconde discipline est plus large. Puisque il englobe non seulement le droit du travail, mais aussi le droit, de la protection, de la protection sociale. C'est le deuxième point. Qu'est-ce que c'est l'objectif? Le droit du travail a pour objectif de protéger l'employé dans sa relation avec l'employeur. Voilà. Troisième point.
le droit du travail constitue le droit commun, le droit commun du travail qui régit bien car il ne régit que les relations de travail entre un employeur et un salarié entreprise. Il n'y a pas d'opposition au droit public qui s'applique aux fonctionnaires et assimilés. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo, on va traiter les sources du droit de travail.